Bonjour à tous à nouveau. Alors là, je fais l'intro de l'intro. Je viens de finir d'éditer la vidéo, mais je me dis que je vais quand même rajouter un petit passage pour vous remercier. C'est super cool. En ce moment, j'arrête pas d'enchaîner les vidéos parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Et puis bah voilà, encore ce matin, surprise, une mise à jour et puis pas une mise à jour des moindres avec pas mal de nouvelles fonctionnalités. Donc on va voir tout de suite après le générique la mise à jour, ce que ça donne. En tout cas, merci à tous pour votre soutien dans les commentaires et tout ça, ça fait vraiment super plaisir. Voilà, continuez à partager la chaîne sur Facebook aussi. On essaie de participer au groupe. Par contre, c'est vrai que c'est pas facile de suivre toutes les conversations et puis bah, d'éditer et de filmer aussi tout ce qui est vidéo pour la chaîne YouTube en parallèle. Mais voilà, donc ça va bientôt faire un an que la chaîne est arrivée et voilà, on est plus de 5000, presque 5500. Donc continuez à partager et puis suivez-nous. À très vite et à tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Aujourd'hui, on a une nouvelle mise à jour donc qui est en route. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. J'ai l'impression qu'il y a eu des changements quand même au niveau de la manière dont se font les mises à jour dans la voiture. Comme d'habitude, on est prévenu par l'arrivée d'une nouvelle mise à jour au niveau de l'écran de la voiture. On a un petit logo réveil en fait orange qui indique qu'on a une nouvelle mise à jour qui est arrivée. Il faut se connecter au Wi-Fi pour pouvoir télécharger la mise à jour et ensuite l'installer. Ça prend à peu près 20-25 minutes au niveau de l'installation. Par contre, voilà, au niveau des écrans, maintenant on a des messages. Donc là, on a par exemple une indication comme quoi on a le début de la mise à jour. Ensuite, donc ça nous donne d'ailleurs le numéro de la mise à jour, donc là c'est 2019-36-2.1. Ne vous inquiétez pas, je vais nettoyer mon écran juste après. Et là par exemple, vous voyez, c'est en train d'indiquer qu'on est en train de mettre à jour l'autopilote. Pour le coup, ça, il me semble que c'est nouveau qu'il y ait cette indication de ce que ça fait. On avait toujours une synthèse de la mise à jour à l'issue de la mise à jour, mais là, pendant le déroulé, donc ça nous indique ce que ça fait. J'ai encore le chauffage, la climatisation, tout fonctionne à ce moment-là. Je vais avoir par contre un gros bruit. Voilà, c'est la séquence mise à jour des unités de commande électronique. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais ouais, il y a eu un gros boom à l'avant de la voiture et toute la ventilation s'est éteinte, ça s'est interrompu. Ensuite, ça s'est suivi par un autre bruit au niveau de l'avant et de l'arrière de la voiture d'un seul coup. Et ça a repris la ventilation, tout est reparti quand la voiture a redémarré sans problème. Mais c'est vrai qu'il me semble que c'est la première fois que physiquement, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui soient passées au niveau de la voiture. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Et à la fin, on a un dernier message qui indique que c'est la fin de la mise à jour. Ça a pris ouais, à peu près 20-25 minutes. Donc effectivement, pendant ce temps-là, hein, vous ne pouvez pas utiliser le véhicule. On est immobilisé et il faut qu'il y ait une batterie minimum au niveau, une charge minimum. Donc là, on a une synthèse qui s'affiche à la fin au niveau de la mise à jour. Alors franchement, c'était une surprise. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses. Et déjà, j'ai testé pas mal et c'est assez sympa. Donc on a un mode arrêt, ce qu'ils appellent. En fait, donc c'est le serrage. Avant, on avait donc soit la voiture, quand on lâchait la pédale d'accélérateur, on a la régénération. Donc c'est un frein moteur assez puissant, hein, puisque de toute façon, on vient recharger les batteries quand on décélère. À l'arrêt, donc quand on lâche la pédale d'accélérateur, soit la voiture avance pas du tout, ou alors on activait ce qu'on appelait le rampage dans les réglages de la conduite. Et là, on a donc la voiture comme une voiture automatique, en fait, dès qu'on lâche la pédale d'accélérateur, qui commence à avancer tout doucement, même si on n'appuie pas sur la pédale d'accélérateur. Donc moi, ça c'est quelque chose que j'avais activé. Par contre, c'est vrai que quand on voulait s'arrêter un stop ou un feu rouge, du coup, il fallait obligatoirement avoir le pied sur le frein. Bon, c'est ce que je faisais déjà avec mes anciens véhicules, mais voilà. Et là, en fait, on a un nouveau mode. Donc maintenant, on a rampage, on n'a rien, ou on a serrage. Donc là, ils appellent ça arrêt sur la note de mise à jour, mais dans les réglages, ça s'appelle serrage. Et là, en fait, la voiture, elle va venir vraiment freiner en plus du frein moteur qui est assez important. Elle va vraiment s'arrêter, quoi, s'immobiliser. Et on conduit du coup vraiment avec une seule pédale maintenant. Puisque du coup, on accélère, on appuie sur la pédale d'accélérateur quand on veut avancer. Et quand on veut s'arrêter, il suffit juste vraiment de lâcher la pédale d'accélérateur. On a le frein moteur que je trouve encore plus puissant qu'avant. Donc visiblement, d'ailleurs, on a un gain au niveau de l'autonomie parce que la voiture va recharger plus. Et elle va aller jusqu'à un arrêt complet, en fait, du véhicule. Et donc, ça va s'arrêter.
Petit bémol, sur le chemin du retour, je ne sais pas si c'est par rapport à l'autopilote ou si c'est par rapport justement au serrage, il faudra que je teste en désactivant. Moi j'ai toujours deux freinages fantômes en fait au niveau du chemin du retour. Et là franchement les freinages fantômes, la voiture presque elle pile. Alors est-ce que c'est lié au fait qu'il y a le serrage et que du coup il y a les freins qui rentrent en ligne de compte et qu'on a un frein moteur encore plus important? Mais là, je suis passé de 80 à 40 km/h sur les freinages fantômes, vraiment assez violemment. Et je me dis que si j'avais eu quelqu'un derrière qui me collait un peu trop, on aurait pu me rentrer dedans, quoi. En fait, c'est assez. Voilà. Donc ça, je vais être vigilant. Je vais voir si en désactivant la nouvelle option serrage, c'est la même chose ou pas. Juste une petite parenthèse hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un freinage fantôme. Quand on est en mode pilotage automatique, donc la voiture elle gère le maintien dans la file et elle gère l'accélération et la décélération du véhicule. Et il peut arriver des fois qu'à cause d'une branche, un faux plat ou quelque chose, ou l'ombre d'un pont par exemple sur l'autoroute, la voiture pense qu'il y a un obstacle ou quelque chose, du coup elle se met à ralentir. Alors le temps qu'elle calcule qu'effectivement c'est rien, des fois elle peut peut-être se tromper ou hésiter même pas une seconde, mais du coup on a une petite décélération comme ça. Alors des fois c'est désagréable, mais par rapport franchement au bienfait de l'autopilote sur l'ensemble, c'est pas quelque chose qui fait que du coup on va pas mettre l'autopilote à cause de ce petit désagrément. Là par contre j'ai trouvé que c'est par rapport à cette nouvelle option. Alors est-ce que c'est cette nouvelle option qui rentre en compte et qui du coup provoque un ralentissement bien plus prononcé et du coup un petit peu plus désagréable à voir quoi. Surtout que je trouve que en tant que passager on subit plus que quand on est au volant, et en tant que passager c'est un peu plus malaisant entre guillemets ce freinage intempestif. Alors ensuite on a ce qu'ils appellent le départ programmé. Alors ça c'est super, en plus c'est un truc dont on m'a posé la question il n'y a pas longtemps au niveau des commentaires. D'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas, allez-y. Hein. Mais voilà, on a la possibilité maintenant de programmer, de dire voilà tous les matins à 7h je m'en vais de chez moi. Donc je veux que la batterie soit chargée, je veux que le chauffage, que ce soit clim ou chauffage, hein, ça dépend de la saison, mais je veux qu'il fasse 20 degrés dans la voiture. Et du coup tout ça se prépare, vous pouvez dire uniquement les jours de semaine ou tous les jours de la semaine. Et donc c'est parti, par rapport à ça vous pouvez programmer ça. Donc c'est assez chouette, je trouve ça bien. J'ai pas vu, peut-être qu'il va y avoir une mise à jour de l'application, parce que souvent en fait dans l'application on a vu qu'on pouvait retarder le départ de la charge par exemple, ou alors mettre en route le chauffage, mais on peut juste le mettre en route, on peut pas le programmer. Donc est-ce qu'il va y avoir une mise à jour de l'application pour pouvoir accéder à ce réglage directement depuis l'application? Ce serait cool. En tout cas voilà un truc vraiment, encore une fois, une solution logicielle que Tesla apporte et qui va faciliter en fait encore l'utilisation de la voiture et la rendre encore plus facile. Ensuite il y a aussi ce qu'ils appellent la navigation automatique. Donc là la voiture, donc on peut synchroniser son agenda en fait au niveau du véhicule avec son téléphone portable. Et donc on monte dans la voiture, bah, tout de suite elle sait qu'on doit aller chez le dentiste à telle adresse, et du coup elle va mettre dans le GPS, elle va proposer directement l'adresse du dentiste, et comme ça tout de suite elle nous lance sur la navigation avec l'adresse du dentiste. Ça me l'a fait, j'avais rien de prévu, je suis monté dans la voiture et en fait elle m'a proposé, j'étais pas chez moi du coup, de partir sur mon domicile. Donc vraiment, c'est le genre de truc qui peut peut-être un peu saouler si c'est pas opportun, mais je trouve que c'est le genre de truc où finalement, nous ça nous coûte zéro au niveau énergie, personnel je veux dire, hein, je parle pas de la batterie de la voiture, mais nous ça nous coûte zéro au niveau mental et tout, et c'est de l'assistanat complet, moi j'adore ce genre de choses, et vraiment si ça peut être plus intelligent sans que voilà, ça me coûte rien de plus, et que c'est opportun, bah tant mieux. C'est vraiment chouette qu'il y ait toutes ces améliorations qui arrivent au fur et à mesure. Je sais pas pour vous, mais moi globalement pour conclure, le serrage, l'air de rien, le fait que le véhicule s'arrête lui-même quand on lâche la pédale d'accélérateur, ça me fait penser qu'en fait on arrive à la conduite autonome, et je pense que c'est une étape en fait et qu'il fallait que ça se rapproche par rapport à ça, parce qu'on avait donc l'arrêt à la signalisation au niveau des stops et des feux rouges qui indiquaient pour la conduite autonome cette année. Donc là on a le véhicule qui s'arrête quand on arrête d'accélérer. Du coup est-ce que bientôt on n'aura pas cette automatisation par rapport à la signalisation? En tout cas peut-être aux États-Unis, après il y aura un déploiement pour la France comme d'habitude, mais en tout cas voilà, la voiture encore une fois elle s'est améliorée au travers d'une mise à jour comme ça, et voilà, c'est bien plaisant. Donc dites-moi si vous avez eu la mise à jour aussi dans les commentaires, et puis comment vous la trouvez. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à liker la vidéo,
à la partager avec tous vos amis pour faire découvrir la chaîne et puis toujours continuer à faire des vidéos. J'ai plein de surprises aussi que je prépare là pour la suite, notamment pour le Black Friday. Donc je travaille avec un fournisseur qui m'a envoyé des choses et donc je vais vous montrer un peu et puis je vais en faire gagner surtout. Voilà, à très bientôt et bonne journée à vous. Salut!